amendement LFI, une hausse du tarif de l'électricité à craindre. Les amendements apportés par les députés au projet de loi de finances 2019 lors de la session plénière du 27 novembre dernier auront des impacts considérables. La demande des députés d'augmenter d'une part les fonds au CLD à 400 millions d'arrières de chaque contre 200 millions d'arrières auparavant et d'autre part d'ajouter 11 milliards d'arrières de plus au budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale représente un gap de 112 milliards d'arrières à combler. 50 milliards d'arrières seront prélevés des subventions prévues pour la Djirama. Avec 50 millions d'arrières de moins, la Djirama sera confrontée à des problèmes de trésorerie, d'où l'éventualité d'augmentation tarifaire en 2019, précise le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, l'Antonien Rassoul Wilson. D'autres sources avancent que les fonds devront également être enlevés des autres transferts. Ces transferts sacrifiés, dénommés également divers appuis institutionnels, concernent notamment les subventions aux collectivités territoriales décentralisées, les prix salaires des médecins, les bourses d'études intérieures et extérieures pour les étudiants, les hospitalisations, traitements et soins pour les fonctionnaires, ainsi que les subventions aux maîtres FRAM, et la liste n'est pas exhaustive.